Wow! Quelle belle journée! Aujourd'hui, je vais me rendre à mes deux points de vente. En premier, le parc La Fontaine et en après-midi, le parc Berthier. Mais avant tout, je dois remplir mon fruitier de fruits et des légumes frais locaux. C'est ici qu'à chaque matin, je prends mes fruits et légumes pour les mettre dans mon fruitier. Fruixi, c'est une initiative du marché Frontenac dont l'objectif est d'offrir plus de fruits et des légumes dans les quartiers où l'accès est un petit peu plus difficile. Donc, on va dans les parcs, on se rapproche des citoyens. J'ai tout ce qu'il me faut. Première destination, parc La Fontaine. Allons-y! Tu veux des tomates? Oui. Ouais. Papa, oui. Tu veux des tomates? C'est vraiment le fun qu'il y ait des légumes comme ça accessibles là, tout près de chez nous, sans avoir à trop se déplacer. Ouais, merci Mia. Oh, au lieu de manger de la crème glacée, ouais, on peut manger des bons fruits et légumes. Hein. Est-ce que vous êtes juste à ce coin-ci du parc? Vous vous promenez des fois ou? On va dans les parcs, surtout du quartier Ville-Marie. Et on va aussi un petit peu dans le plateau. C'est essentiellement dans des parcs qu'on vend et dans les hôpitaux. Ah ben, je suis bien contente, j'ai fait des bons petits achats. Et puis, je vais le recommander aux gens du quartier de venir vous voir. Elles sont vraiment belles, ces tomates. Oui, merci. Ils viennent de où? En fait, tous nos fruits et légumes viennent de fermes alentour de Montréal. Et par exemple, ces tomates-là viennent de la ferme écologique du parc nature du Cap-Saint-Jacques, situé à Pierrefonds. Bien, c'est sûr que pour nous, comme ferme écologique, pour Détroit-Pierre, de s'associer avec un projet comme Fruixi, qui fait la promotion de l'alimentation locale et de l'agriculture biologique, bien, c'est quelque chose qui est très important pour nos valeurs. Que nos produits fassent une quarantaine de kilomètres pour aller aux consommateurs, c'est quelque chose qui est un scénario idéal pour nous. Que c'est super que ce fruit et légumes local et frais, c'est super. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Alors j'espère que ça va bien fonctionner votre kiosque parce que de moins en moins les gens connaissent les fruits et légumes du Québec. Les gens sont habitués d'avoir des légumes et des fruits, mais pas nécessairement les fruits et légumes de la saison. Une autre journée terminée. J'ai presque tout vendu. Il me reste des carottes, un peu de pommes. Et je ferme ça, je m'en vais et je reviens demain matin.